Amen. Alléluia. Que, que la grâce et la paix du Christ soient avec et tout un chacun, avec nous tous. Amen. C'est le message et la prière que nous avons fait ensemble maintenant. C'est la prière pour bannir et pour annuler, pour euh, euh, annuler la peur dans notre vie, euh, Frère et sœurs, mon nom c'est euh, c'est le frère chrétien. Euh, avec la détresse dans laquelle le monde aujourd'hui est plongé, nous devons toujours comprendre, nous devons toujours comprendre qu'il faut bannir la crainte et être rassuré toujours que Dieu Veille sur son alliance avec son peuple. Comprendre encore que et que Dieu prend soin de tous ses enfants, comme il l'a fait pour les Israélites à Goshen en Égypte. Les élus de Dieu ne doivent pas tomber dans le piège de la peur, qui paralyse et affaiblit, mais plutôt nous devons trouver refuge dans une relation profonde avec Dieu, dans la parole de Dieu et dans la repentance quotidienne. Quotidienne, c'est tous les jours. Car nous devons nous sanctifier chaque jour pour nous préparer à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Rappelons-nous, frères et sœurs, qu'il est écrit dans Exode chapitre 8, 22. Je le lis, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. C'est quel jour que Dieu va distinguer C'est ce jour-là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui dans ta vie. Que le Seigneur va distinguer. Va te distinguer. Toi qui habites dans le de dans le pays de gauche de l'Éternel. Afin que les mouches de Pharaon, qui ont été projetées dans Pharaon, ne soient pas sur ton territoire pour te déranger. Afin que tu saches que l'Éternel est au milieu de ta famille. Alléluia. Rappelons-nous, rappelons sœurs. Et frère, que Exode chapitre 9, verset 4, il est écrit, l'Éternel distinguera, distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Ce verset veut dire seulement que le Seigneur va distinguer les enfants de Dieu. Tes enfants qui sont à l'école seront distingués des enfants des Égyptiens qui sont dans la même école. Toi qui es dans la même entreprise, enfant de Dieu, tu seras distingué des autres enfants de Bélial qui sont dans les mêmes entreprises. Que ton foyer, ta famille dans le quartier sera distinguée des autres familles et des enfants qui ne sont pas des enfants du Dieu d'Abraham. Et ce Exode 9, verset 4 dit il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Que ta joie ne doit pas périr. Que la pauvreté est finie. Que, la, que les maladies dans, ton, dans, dans ta vie vont disparaître complètement après cette, cette prière que nous, nous allons prier ensemble tout à l'heure. Alléluia. Rappelons-nous encore, frère, enfant de Dieu, bien-aimé enfant de Dieu. Dans Exode 9, verset 6, il est écrit Et l'Éternel fit ainsi, dès le matin, dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants de C'est-à-dire que tu es dans une voiture qui est en train de, de prendre ton nom. Les enfants de Satan et de ses agents meurent, sauf toi qui es enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es dans, tes enfants sont dans une école. Les enfants de Dieu, rien ne les touche, mais c'est les enfants de, du monde des ténèbres qui sont affectés. Sœurs et frères, c'est l'assurance que l'Éternel fait avec toi aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé et Dieu n'a pas changé d'âge en âge. Pourquoi avoir peur? Ah, pourquoi avoir peur dans ta vie? La peur, mon frère, ma soeur, est une arme privilégiée de Satan. Alléluia. Alors, al alors seule la parole de Dieu pourra apporter un remède puissant et efficace au démon de la peur qui envahit les cœurs aujourd'hui et qui affaiblit plusieurs âmes qui ne savent plus où se tourner pour trouver un peu de réconfort. Rappelle-toi, au temps de Noé, le mot Noé veut dire consolateur. Noé était le seul qui a, et sa famille était seule là, qui ont, et qui ont survécu après tout ce qui se passait sur la terre. Peut-être aujourd'hui, tu peux te retrouver dans l'arche de Noé. Mon frère, ma soeur, bien aimé, si vous sentez que votre âme chancelle devant toutes les, les, les nouvelles démoralisantes qui sont autour de vous, que vous écoutez à longueur de journée, la seule chose, c'est la prière. De fixer vos regards sur Christ et sur ses promesses. La parole de Dieu est comme un arbre, ma soeur, mon frère bien-aimé. C'est comme une phare, c'est comme un comme une phare, un phare dans l'oscurité qui couvre la terre et sa lumière vous guidera et vous fortifiera devant les assauts diaboliques de Satan et de ses agents qui fait trembler le monde entier. Comprenons que le, le problème, les, problèmes, les difficultés que nous souffrons aujourd'hui sont des forces diaboliques qui combattent spirituellement, spirituellement et non physiquement, même physiquement, mais tout est d'abord spirituel. Même si vous devez prendre des, certaines précautions dans la vie, ce que je recommande, ce que nous recommandons toujours, mais la prière, c'est la clé. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous vivons des temps où Dieu nous appelle à nous enraciner fermement dans sa parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Plus sa parole demeure en nous, plus fort, plus fort nous sommes et plus sereins et confiants nous serons devant les attaques de l'ennemi. Lisons la Bible. Mais la Bible, même quand tu dors, pour que ça soit en train de, de, de résoudre dans ta maison 24h sur 24. Lis la Bible. Lis la parole. Comme la parole de Dieu, c'est une lettre que le Seigneur t'a envoyée. Ton père, ton mari t'a envoyé la lettre, tu ne la lis jamais. Vous êtes encouragé à passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Beaucoup de temps. Beaucoup, 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 beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Maintenant, plus que jamais, car euh, 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 les temps sont devenus mauvais et l'ennemi est plus que jamais décidé à utiliser tous les moyens pour amener le plus grand nombre de personnes en enfer. Frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi combattra votre foi par, la, par le doute. Il combattra votre foi, votre, votre assurance par la peur. Il combattra votre amour bouillant pour Dieu en tièdeur. Il combattra pour transformer votre zèle pure en zèle amère. L'ennemi combattra pour, pour, pour transformer votre force intérieure en un coma spirituel. L'ennemi combat pour euh, pour transformer votre attention spirituelle en distraction diverse. Pour transformer votre contentement en convoitise. L'ennemi veut transformer votre satisfaction en impurité. Il veut transformer votre patience dans l'épreuve en un découragement total. C'est pour ça que la Bible le dit encore dans le Jérôme, dans Jérémie, chapitre 1, 19. Il vous combattra, mais il ne vous vaincra pas. Parce que je suis toujours avec vous. Oui, le Seigneur lui-même dit que le combat est intense. Du monde des ténèbres comme, de, de, comme du monde du, du ciel. L'ennemi utilise tous les, les, les superfuges, toutes les manières pour vous faire aller à la dérive. La peur. La peur est une arme puissante de Satan parce qu'elle combat votre foi. La peur, la peur mine l'assurance de votre foi. La peur, la peur, ça nous dérange. C'est notre numéro numéro un. Nous savons que sans la foi, nous ne peut plaire à Dieu. Hébreu 11, verset 6. Si notre foi défaille, cela signifie que notre confiance en Dieu diminue et que nous voyons nos problèmes plus grands que la puissance de notre Dieu. Et la conséquence sera que Dieu ne peut honorer celui qui doute de lui. Ça, c'est clair. Si nous doutons, qui exaucera alors nos prières Qui va exaucer nos prières la Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 7. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 7. Cela Qu'un homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible nous dit encore Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. La Bible renforce encore dans Jérémie 17, de 7 à 8, il dit Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Donc, si tu te confies à ton ennemi, à ton ami, tu te confies à ta maman, tu te confies à ton frère, à ton mari, à ta femme, c'est le péché. Quand il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel est l'espérance. Ça veut dire de l'autre côté aussi que, maudit soit l'homme qui se confie en n'importe quoi qui n'est pas l'éternel, en n'importe qui. Quand tu as un problème, la première des choses pour être c'est appel, appeler ton ami telle personne, ta, ta soeur telle personne, ta maman telle personne, ton épouse. Non, c'est l'éternel d'abord, par la prière. Mon frère, ma soeur, Veillons donc sur notre âme, qui est le siège de nos émotions et de nos pensées. Nourrissons, nourrissons correctement notre âme, non pas par des informations manipulées qui, qui sont de ce monde, mais de la parole de Dieu. Ce qui se passe autour de toi, ce que ton frère, ton pasteur, quoi que ce soit te dit, le plus souvent n'est pas toujours ce qui est écrit dans la parole. Pourquoi ne pas prendre toi-même ton temps pour aller toi-même à la source d'eau vive, qui est la parole de Dieu Allé Alléluia. Alléluia. La, la parole de Dieu. Et quand nous sommes encore toujours en, dans la parole de Dieu, nous, nous serons à mesure maintenant de fermer la porte à, aux inquiétudes, à l'anxiété. Nous serons à mesure... Avec par la parole de Dieu de fermer la porte à l'angoisse, fermer la porte à la peur, ce qui sont des démons qui nous vident de notre force spirituelle le plus souvent. Lisons frères et sœurs, bien aimés la parole de Dieu tous les jours durant tous les jours que Dieu a crié. Il y va de notre survie spirituelle et donc de notre salut. Car Jésus nous, nous prévient dans les trois premiers chapitres d'Apocalypse que les récompenses seront toujours réservées aux vainqueurs. Les récompenses seront toujours réservées aux vainqueurs. Vaincre quoi Vaincre les tribulations, vaincre les afflictions, vaincre les problèmes. C'est écrit à celui qui vaincra. Voilà ce qui est écrit là. Ça veut dire que celui qui doute ne peut jamais triompher. Car ce qui triomphe... Du monde, c'est notre foi. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, vers, verset 4 à 5. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mon frère, ma soeur. Peur de tout ce, de ce que tu es en train de suivre. Peur de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais c'est le moment de se séparer de tout ce qui peut nous faire rater l'enlèvement spirituel. De tout ce qui peut nous faire retirer de la protection divine. De nous repentir et nous détourner de tout péché qui pourrait nourrir la bête démoniaque car le péché est la nourriture des démons. Alléluia. Alors la, euh, euh, la Bible dit dans Jérémie 1:8 "N'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer." L'Éternel le déclare il nous interdit la peur. Peur à toutes les circonstances possibles. Deutéronome 3, verset 22, il nous interdit encore. Il nous dit, vous n'en aurez pas peur. Peur. Car l'Éternel notre Dieu combat lui-même pour vous. Ton foyer est saccagé. N'aie pas peur. Impossible n'est pas lui. Il peut transformer tout. Tu vis dans la disette la souffrance. Terrible. Dieu nourrit des blessures, blessures dans le cœur, blessures à l'extérieur, blessures à l'intérieur. Vous n'en aurez pas peur, car l'éternel, votre Dieu, combat lui-même, lui-même pour vous. Ça, c'est l'essence de ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 3, verset 22. Alléluia. Si nous avons bien suivi ceci, maintenant, arrange-toi maintenant à prier contre la peur. Déclare ceci avec moi. La Bible dit très bien que à tes résolutions répondra le succès et la lumière jaillira sur le chemin. Ça, c'est Job 22, 28. Déclare ceci avec moi. Très fort, très fort. Et de façon distincte, dis ceci. Père Céleste, je me confie en toi de tout mon cœur. Et je refuse de regarder aux circonstances qui m'entourent. Je déclare que parce que l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire la pauvreté Que peut me faire cette maladie, le cancer que j'ai Que peuvent me faire les hommes Vas-y encore, il dit ceci. Je ne crains rien. Je ne crains pas. Je ne crains pas le cancer. Je ne crains pas le fait de ne pas avoir de travail. De ne pas avoir de mari. Je ne crains rien. Car Dieu est avec moi. Dis ce que tu ne crains pas. Déclare et le Seigneur va bondir là-dessus. Je ne promène pas mes regards inquiets. Car tu es mon Dieu. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Comme il est écrit dans Esaïe 41, verset 10. Je ne m'inquiète de rien. Mais en toutes choses, je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand j'entends les nouvelles pénibles des dégâts qui se passent autour de moi, quand j'entends ce qui se passe dans la vie de mes enfants, de mon épouse, dans mes finances, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Dieu est avec mes enfants. Sa houlette et son bâton me rassurent. Quand je te cherche, éternel, tu me réponds et tu me délivres de toutes mes frayeurs. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 5. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De quelle maladie? De quelle pauvreté? De quelle douleur? De quel trouble? De quel problème aurais-je peur? Le psaume 27, verset 1. Vas-y encore, il dit ceci. Décrète. Père céleste, tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de sagesse. Et même si la peur se présente, je mets ma confiance en toi. Psaume 56, verset 4. Je ne crains pas les problèmes de famille car je suis caché dans le Père, en Jésus-Christ mon Sauveur. Ce que tu ne crains pas, tu le dis. Répète, 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 répète. L'Éternel est avec moi et autour de moi, comme un héros qui sauve. Je ne crains aucun mal. Sophonie chapitre 3, verset 16. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Je suis gardé par l'ange de l'éternel parce que je crains l'éternel au nom de Jésus. Vas-y et dis ceci. Éternel, tu es, tu es pour moi un rocher. Tu es pour moi un asile où je trouve refuge. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Psaume 111, verset 3. Je ne crains point, car ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre les alliés humains et invisibles du monde des ténèbres et Satan. Deux rois chapitre 6 de 16 à 17. Mon Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel fermera la gueule des démons de Satan et de ses agents. Et me gardera en sécurité à l'ombre de sa présence. Daniel chapitre 6, 22. L'éternel garde les pas de ses bien-aimés. Mes problèmes seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. 1 Samuel 2 chapitre verset 9. On craindra le nom de l'éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'éternel, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Isaïe chapitre 59 verset 19. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le Jérémie chapitre 3, verset 13, il est écrit. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers, des, vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Haleluya, 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 amen, haleluya, amen, gloa et honneur terifiant. Nous scellons ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle tous les décrets dans le sang de Jésus. Papa, tout ce que j'ai décrété sur ma vie, sur ma vie, vas-y, tout ce que j'ai décrété sur ma vie, papa, que ça abysses maintenant, et que là, je vois la lumière, que je vois la lumière dans ce moi, dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, que la lumière jaillisse. Cette voix qui a dit que, là, que la lumière soit, papa, que cette voix-là maintenant la lumière, décrète la lumière dans toute l'obscurité de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 amen.